Hey, salut tout le monde, c'est Ultor, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Donc voilà, dans la vidéo, je vais vous parler de l'avenir de ma chaîne YouTube en général. Attention, cela veut pas dire que j'arrête YouTube, non, loin de là. Mais c'est juste que j'ai besoin de vous parler par rapport à plusieurs choses autour de ma chaîne YouTube. Et donc voilà, juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier pour les retours que j'ai eu sur la vidéo que j'ai faite avec mon frère récemment. Vidéo que je trouve en description si vous l'avez loupé. Donc voilà, on a eu de assez bons retours et ça m'a fait super plaisir. Je tenais vraiment à vous remercier. Je pense que prochainement, on vous fera sûrement la revanche. Je vais voir avec lui. Mais dans tous les cas, merci. Enfin bref, on peut passer au sujet de la vidéo. Alors pourquoi c'est cette vidéo? Juste avant de vous dire pourquoi c'est cette vidéo, comme vous devez sûrement le savoir, je suis actuellement en 3ème, donc qui dit 3ème dit brevet. Car oui, ça a du rapport, vous allez comprendre. Et étant donné que je veux absolument avoir le brevet, je veux avoir la meilleure note possible, j'ai vraiment le taffé à mort, je risque d'être assez inactif sur ma chaîne YouTube, donc voilà, tenez à vous prévenir en avance. Et puis non plus, il n'y a pas que le brevet, hein. Ma chaîne YouTube, c'est certes quelque chose que j'adore, les vidéos, c'est quelque chose que j'adore faire, mais derrière, j'ai ma vie réelle, j'ai mes potes, j'ai mes problèmes, comme tout le monde. Donc voilà, on va dire YouTube c'est secondaire, mais YouTube ça m'est quand même assez important pour moi, ça m'est vraiment très important, je suis vraiment content de tout ce que j'ai fait sur YouTube. Et donc voilà, je précise que le brevet pour moi se fait le 29 et 30 juin, donc durant ces deux prochains mois je risque d'être assez inactif, étant donné que j'ai vraiment énormément bossé pour l'avoir. Et aussi d'ailleurs, j'ai aussi mon oral à faire, j'ai quoi encore? J'ai aussi mon voyage en Italie qui fait du 16 au 20 mai que j'avais annoncé sur Twitter. En parlant de ça, je risque peut-être de faire un vlog par rapport à ça. Par rapport à mon voyage en Italie, je pars du 16 au 20 mai comme je l'ai dit. Je pars, je crois, si je dis pas de bêtises, à Vérone et à Venise. Donc voilà, on verra bien, peut-être que je vous ferai un vlog. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Et donc voilà, non plus, et comme je vous l'ai dit, vous l'avez compris, il n'y a pas que ma chaîne YouTube dans ma vie. Il y a mes potes, mes problèmes, ma vie, RL. Et aussi, un projet que je suis en train de préparer là, avec BLZ, Clayzer et Novs. Normalement, je pense que prochainement, je vous ferai une vidéo pour vous en parler, vous inquiétez pas. Alors pourquoi je dis ouais, pourquoi je fais cette vidéo au final? Donc côté c'est pour vous prévenir qu'il y aura sûrement de l'inactivité. Mais certains vont me dire, ah c'est pas grave, tu fais une vidéo par semaine, tout ça, ça passe tranquille. Mais le problème c'est que, enfin le problème, on peut pas vraiment considérer ça comme un problème. Mais ce que j'ai fait c'est que pour 2017, mais c'est l'ancien défi, c'est de faire 2 vidéos par semaine durant l'année 2017. Pour l'instant j'arrive à tenir le rythme, il y a juste un mercredi où j'ai pas fait de vidéo, que je rattraperai sûrement pendant les grandes vacances, que je rattraperai sûrement, que normalement je rattrape c'est sûr. Mais bon, étant donné qu'avec le brevet tout ça, le brevet, mes problèmes et compagnie, tout ce que je vous ai dit, je pense pas que je vais réussir à tenir le rythme. Je ferai tout ce qui est en mon possible pour tenir le rythme, mais bon, je tenais quand même à vous prévenir en faisant une vidéo. Et donc voilà, j'ai aussi en profité en faisant cette vidéo pour vous remercier de toutes les personnes qui me suivent. Donc voilà, ça me fait super plaisir. Merci à tous ceux qui me suivent depuis mes débuts. Merci à tous ceux qui sont à chaque fois là sur mes vidéos. Ça me fait super plaisir. Même si on va pas se mentir, ma communauté n'est pas très très active. Le peu de personnes qui chassent me fait extrêmement plaisir. Et je tenais vraiment à tous vous remercier un par un. Donc voilà, dédicace à vous tous. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aurait été une vidéo assez courte, mais étant donné que là, alors vous verrez cette vidéo je sors de mon brevet blanc, étant donné qu'il s'est fait le 2 et 3 mai. Alors où je vous fais cette vidéo, on est le 30 avril, on est soir du 30 avril. Ah, j'arrive plus à parler, excusez-moi. Et donc voilà, cette vidéo assez tôt, histoire de vous la proposer mercredi, parce que j'ai surtout tout à fait aussi le brevet blanc, étant donné que oui, le brevet blanc est plus dur que le brevet. Donc voilà, j'espère que je l'aurai, franchement, je vous mettrai, je dirai sûrement mes résultats prochainement. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, moi, je vais vous laisser, c'était Ultor, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, allez, bye!